Bonsoir tout le monde. Et nous bon là, maintenant, on m'a dit que si tu vois bien aussi, et pour nous capables de démarrer, donc, Baptiste, est-ce que vous avez bien sorti? Est-ce que vous entendez bien? Et si vous bien entendez moi, je m'a dérapé et puis l'autre, on y a joué nous en route. Est-ce que vous entendez là? Mais je connais si vous avez bien sorti. Et mon ça dit moi. Oui, voilà, ok, oui, ça va. Ah, mais bon, ok, bonsoir. Et nous dérapé là, je veux dire, c'est mercredi 27 septembre 2023. Moi, salue nous depuis la capitale fédérale américaine dans Washington DC. Moi, exactement, derrière de la boîte d'Amérique là, donc je dis à nous dans le là, ensemble avec tous nos collègues, nous, Fred dans le tout, donc on est content. Et que Fred avec nous, et bien sûr que d'abord grand point cap de miniature, c'est d'abord sénateur New Jersey et Bob Menendez, et qui travaille en pile avec la communauté haïtienne, non? Et bien monsieur plaide non coupable en bas accusation que le commissaire gouvernement dans l'État de New York a fait, comme quoi il a reçu l'argent en bataille avec cadeau en or. En retour pour être capable de faire une série de bagailles et faire une série de faveurs pour une série de pour deux mondes avec le gouvernement égyptien. Donc c'est à Benendez et puis l'aider qui c'est président comité commission affaires étrangères Sénat, et bien, il était obligé de démissionner dans le poste là même si temporairement. Mais tout le plaidé non coupable. Donc, son procès n'a pas suivi tout. Donc, je dis à monsieur, t'es présenté devant le tribunal. C'était la première apparition devant le tribunal pour te répondre avec accusation. Le commissaire gouvernement dans le district de New York a été fait contre lui et sur un passé. Et je dis à répondre et l'entrée. Et lui met en salamat dans le rendu. Alors, et je dis qu'il y a quand même 550 000 dollars. Ou bien 450 000 dollars. Et qui fait, mais non, c'est le. Rade de cachet et puis avec un série de plaquettes, pas plaquettes, non, morceaux là que le recevoir et puis en retour tout avec mon machine Mercedes-Benz qu'elle te recevoir. Donc je pense que c'est parce que c'est le travail que tu as fait pour essayer de monde et te payer ça les corruptions, bien les brailles, les coupes l'argent battable, mais c'est pas seulement lui-même madame ni tout. Donc, il y a plusieurs voix qui élevaient, qui demandaient pour le démissionner, même comme sénateur. Bon, il dit que le pape, il dit que pour jusqu'à présent, là, il dit le pape démissionner. Mais qu'il y a plusieurs membres du Parti démocrate, là, même qui ont demandé pour le démissionner. Et monsieur dit même, il répond, il dit que le pape démissionner. Donc, son dossier qui était, n'a suivi, nous, États-Unis, qui ça marché. Donc, il n'y a pas de monde qui est vraiment sous tête là. Alors, quelque chose, on a dit, vous faites ça, pas ça, et bien, la justice va venir pour tout. Et c'est cas pour le sénateur. Et nous voyons que si vous jouez que l'État a mêlé dans la corruption, eh bien, il y a une provision légale qui est capable de permettre de poursuivre en justice. Mais ce n'est pas la première fois que ça arrive. Ça a arrivé déjà une fois. Il était poursuivi en justice encore pour même barrer pour corruption toujours. Mais le jury n'a pas été capable de délibérer, pas capable de aboutir à une décision. Donc, c'est comme ça que monsieur était souci là-dedans. Donc, ça, c'est un procès que nous avons suivi. Et puis, je dis à tout, il y a l'ancien président Donald Trump. Que un tribunal hier tout est accusé comme quoi monsieur ta mettait passé gagné dans billet que possédait pour capable prêter l'argent dans mes banques dans l'assurance de bail. Donc tribunal là juge là en principe prononcé en faveur et madame Laetitia en faveur et avocat gouvernement qui a poursuivi et Donald Trump ensemble avec petite lui pour manquer mélange que l'État fait dans le business, comme ça l'État mettait passé bien pour augmenter l'argent que le pape que bien le pavot pour qu'il ait besoin l'argent prêté, pour qu'il ait enrichi, etc. Donc son dossier tout qui était tout l'ouvri. Donc bon pour c'est tout qui t'a de l'ouvri contre l'ancien président Donald Trump. Je dis à tout les gars pour le présenter dans Michigan, côté grève et employé en cas de syndicat et syndicaliste et automobilio. A fait, donc hier, le président Joe Biden était allé dans la zone, il était pendant son discours face à les grévistes. Mais je dis à ces anciens présidents Donald Trump lui-même qui vient pour aller dans la zone, même bah, là, pour aller porter support. Bye, grévistes.
Donc c'est ça nous y est. Et puis dans l'autre nouvelle toujours, bien plus passé 100 monde mourir. Ça c'est en Irak, plus passé 100 monde mourir en Irak et bien plus passé 100 autres qui blessés. Ça c'est nos mariages pendant mariage qui t'a des réceptions mariage qui t'a déroulé dans le village en Irak. Et bien dans un moment tu as un feu d'artifice t'a tiré puis tu fais pendant cala. Donc 100 monde mourir et il t'a semblé même la mariée, alors, les mariés ta yo même tout et victime de incendie ici là et vie ambassade français et dans Niger et bien particulier Niger il retourne en France sous demande gouvernement et militaire nigérien qui lui même te déclaré personne non grata de demander pour quitter pays là. Donc finalement monsieur Martin bonheur monsieur prend valise monsieur Jutel il prend avion passer il fait de son côté avant que d'y aller à Paris, donc le président français a été apparemment d'accord et il a fait entrer et que la France d'accord tout pour le retirer tout les gagner dans Nigeria d'ici fin année. Donc c'est de ce sens que nous avons pour nous suivre. Et puis il y a Corée du Nord qui remet et nous sommes déparés dernièrement d'un soldat américain, monsieur, il est Travis King. Et bien, monsieur était déserté, il était allé en Corée du Nord, soutien en Corée du Sud, il était avancé en Corée du Nord. Et bien, monsieur et mes Corée du Nord remettent monsieur Baye. Et il semble que son transition qui fait Baye en l'autre pays, en tiers pays, qui remettent les autorités américaines. Donc, ça veut dire que soldats, en parlant de Travis King, et bien, monsieur Kounia en a même autorité américaine pour les suites nécessaires. Et parce que M. était déserté, M. a pris refuge en Corée du Nord. Bon, ben là, pas mordé. Et puis, bon, Corée du Nord, il a permis M. Baye, refoulé M. Locke, M. Baye, l'autorité, la justice américaine. Dans le cas, ça, il y a plusieurs Baye qui ont fait, qui ont fait Marshall contre lui, qui ont révoqué, qui ont mis en prison, qui ont fait tout ça aussi. Puis, on a suivi le retour, on a fait connaître qui ça, qui est une décision que l'autorité américaine a pris dans ce sens-là. Nous parlons de gros débat sur la café, tout le débat candidat parti républicain qui a cherché nomination, candidat républicain qui a cherché nomination parti pour présenter parti républicain en élection présidentielle 2024. Et bien, soit c'est le deuxième débat et sans et ancien président Donald Trump n'est pas participé dans le débat ça. Il n'est pas participé dans le premier et il dit que pas participé dans le débat ça, non, dans le débat sur la tout non plus. Et puis, bah. Et puis, il a semblé que le Sénat américain a joué une entente pour éviter que le gouvernement a joué un agent pour fonctionner après le 30 septembre. Sinon, le gouvernement a fermé. Mais c'est le Sénat qui joue une tentative. Et maintenant que la Chambre des députés a joué d'accord, ou bien faire une tour avant le 1er octobre. D'une façon pour permettre que le gouvernement américain continue à fonctionner, donc tout employé fédéral continue à travailler, donc toute agence gouvernement américain continue à fonctionner. Bah, après le 30 octobre, pas bien compris au pays employé ou encore. Donc, bien employé essentiel, qui n'est pas gens aller après le travail, donc journalistes, police et personnel, mon capitaine dans tout de contrôle, et bien tout le monde, ça c'est personnel essentiel, il est obligé de venir travailler, docteur obligé de venir travailler, mais il y a un employé ordinaire qui ne peut pas venir travailler, si tout autant que le gouvernement n'a pas un agent pour travailler fonctionnant, pour ne pas payer employé. Alors, seulement pour ça éviter, il faut que les républicains aient entendu d'abord, et puis les démocrates aient entendu, ils préparent une proposition, ils votent le budget. Donc, de façon pour faire, ou bien, quand vous votez, je crois que, en tant que le Sénat, maintenant, soit en tant que provisoire, tout le pas définitif, tout, mais le sujet, alors, il y a deux sujets qui brûlent beaucoup de députés républicains qui demandaient pour retirer l'argent, l'assistance que les États-Unis a payé et l'Ukraine, pour retirer là-dedans, pour retirer le budget, pour ne pas mettre là-dedans. Donc c'est un point fort et demande que vous faites et président de la Chambre des députés en a parlé, Kevin McCarthy lui-même, qui beaucoup. Mais en attendant, le travail a fait dans deux côtés pour éviter que le gouvernement ne pas fermé après le 30 septembre. Et puis bon.
Nous parlons de Menendez, et c'est Menendez qui dit des non coupables. Et nous parlons de Corée du Nord, et puis nous disons que ça va passer dans Haïti, bon. Et surtout dans la zone bas plateau central là, et bien, la population a lancé une opération Bois-Calais, qui a été cherché bandit, qui a simé la terre dans la zone là, depuis le week-end là. Et bien, M. Bandi a joué avec Payo. Et la population a été mise sur quelques noms, et bien, il a passé à l'infinitif. Et mettez du fait sur eux, etc. Parce que vous-même, vous avez une semaine à la terre, tiré le monde. Mais bien, la population est levée derrière eux, à chercher eux. Et bien, les gens ont joué eux, qui ont été identifiés comme membres. Et inconnus, dans un nom, bien, encore, ils ont été identifiés comme membres. Ils ont été amis, ils ont été partis, ils ont été semaine à la terre, bien, ils ont boulé eux. Et la police, tout est entrée dans un tour. Et la police a tiré quelques parmi eux. Pas grand chiffre qui est définitif. Et la police peut avoir un rapport définitif sur ce qui a passé. Plus loin, dans la frontière, eh bien, la construction a continué. Grand pile de barres faites et grand pile support tout que la population a, ou bien encore, et même population qui prend initiative et construit barrage et souligner massacre là, eh bien, il y a un pile support, grand pile l'argent qu'on a gagné. Je vais poser pour aspect technique pour ne pas faire erreur. Pour que le canal n'a pas endommagé, si le canal n'a pas tombé, ou bien il doit descendre pour ne pas craser le canal là. Parce que comme c'est vrai, par exemple, couper le bras de fer là, pour faire du drainage, pour faire du drain, pour que le bras de passer, il faut qu'on consomme un pont plutôt, pour que le bras passer en bas pour moi, pour continuer à aller dans la zone là. Donc c'est bon travail qu'on a fait pour aujourd'hui. Mais on a dit, bon, il y a été quoi que le travail là, et il n'y a pas de camper, et contrairement avec la demande présente, et Dominicain Luis Abinader fait pour dire que seule façon pour négocier avec Haïti, il faut que le travail et la construction barrage là crampé. Alors que lui-même, il ouvre un autre chantier encore pour faire une autre prise. Et une autre prise encore et sur le territoire Pali. Donc c'est peut-être l'idée 11 qu'on a. S'il commence l'autre, ça va faire peut-être 12 prises que vous prenez dans le rivière Massacre là. Mais en attendant que le travail a fait en bas, le président dominicain, Luis Abinader, a une pression sur l'autre. Surtout le commerçant dominicain qui a mis pression sur lui parce qu'on manque à gagner surtout pour eux-mêmes. À cause du commerçant, ils ne sont pas capables de traverser les frontières pour aller à la chaîne dominicaine parce que les frontières techniquement les fermées, donc pas aucun côté qui va passer à la chaîne. Donc ça veut dire qu'on manque à gagner sur, par exemple, compagnie sur, commerçant sur. Je ne peux pas avancer, donc même les Dominicains, autorités dominicaines promettent pour acheter produits dans mes fermiers, pour les distribuer dans les cantines scolaires, etc. Mais ça semble être pas suffisant. Et puis, ça peut nous aller encore. Et nous parlons de naissance sur le nouveau bâtiment politique en Haïti, et que représenté par la population hier. Il y a deux anciens ministres. Dans le nouveau parti politique, ça qui dit que le baron tente de ce politique pour qu'on y est là, ça a regardé, c'est peu pas ici, seulement il a regardé, et il a regardé jeudi, il n'y a aucune tendance politique pour dire, il y a à droite, il y a à gauche, ou il y a un mi-temps. Il a seulement regardé peu pas ici, mais seulement il y a un objectif, et l'objectif, d'après la déclaration, il y a une responsabilité, fait qu'ils sont six sénateurs, et bien c'est. Et participation dans l'élection, prochaine élection, et très certainement remporter l'élection de la prise du pouvoir, très certainement. Et puis, discours premier ministre Ariel Henry fait devant la société, continue à crier toujours et réaction parmi la classe politique là. Il y a un qui est d'accord avec la façon que l'on aborde les dossiers et la crise haïtienne-dominicaine, il y a un hein, qui dit que parfait massé. Mais et quand même, le dossier Kenya est toujours là, et le Conseil de sécurité en soutien pour nous réunir, pour prononcer ce dossier-là, pour probablement autoriser Kenya à prendre une force multinationale et pour aller et déposer ce national-là et lutter contre les armées. Mais on dit que d'après ce nouvel ordre, c'est le Kenya lui-même qui peut plus parler d'une force police, alors qu'il y a un autre pays qui peut parler d'une force mixte, qui a une version militaire et puis une version police là-dedans. C'est comme ça, nous disons ça pour aujourd'hui, là, parce que nous avons parlé de tout le bas là. Et bien, nous saluons, nous remercions, nous les commentons YouTube. Et nous bien contents, réaction nous face à ces situations. Et puis, bon,
bon fait dans cala là je dis là gain un responsable son on dit ça adjoint on dit c'est provisoire mais dit même bloc qui cap quitter la voie de l'Amérique donc aller en l'autre donc on vous fait là en l'air là donc dans le là donc on va le passer là dans le sac bien mais on les vous fait les vous fait en général les gros dirigeants a quitté toujours employé toujours font fait pour faire des remerciements pour remercier eux et de contribution de déposer et dans l'agissement donc non dit c'est Yolanda. Et bien à nous aller nous mes amis à parler plus tard je dis à parler d'un pays d'immigration pas qui des dossiers d'immigration fermés et je dis à parler de position garde frontalière yo yo même yo prend ce dossier là et fois il a fait plus ouest sud qui a bloqué un flux ou bien quoi quantité d'immigrants qui a utilisé fleuve Rio Grande a pu entrer aux États-Unis particulièrement pour transiter dans une zone Eagle Pass dans l'État Texas pour venir demander asile donc les gardes frontalières et tout yo dit yo pas quitter mon amour ici mon même qui yo pas voulu yo a bloqué mon yo monsieur mon a tripassé ou bien coin de l'eau là la velle yo pas quitter mon amour et a pédé non m'a avec pour parler nous de position et chef garde frontalière américain sous dossier ci là son dossier m'a qui me prend avec nous pendant toute semaine là pour nous parler justement de et quantité immigrants qui continue tôt niveau quantité immigrants li augmenté li presque retourner dans même niveau qu'il était avant mai 2023 les et en fait avant même président Joe Biden qui mettait fin dans loi 542 donc on y a eu dit que immigrants découragés parce que tu pas qu'un rendez-vous et tout des fois fait pour une réparation donc on y a pour être tu viens carrément et viens en tête pour que l'autorité arrête avec espoir une arrestation qui a dit sur une libération et sur libéraux au grand chance pour aller ou entrer aux États-Unis quand même c'est l'objectif là et puis après ça on parle devant le juge pour présenter cas et devant le juge là qui va prendre décision finale sur dossier là. Donc bonsoir tout le monde, on était content avec nous, on en parle encore demain. Bye bye.